Allez, bonjour à tous, c'est Marc. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous fais une petite présentation d'un petit mode qui est vraiment sympa, animé. Donc, j'espère que vous voyez aussi bien que moi. C'est un système d'irrigation pour vos champs. Donc, ça ressemble à ça. Il suffit de le placer au bord de vos champs et vous allez voir qu'après, ben voilà, vous avez tous des petits piquets là qui projettent de l'eau. Sur le champ que vous souhaitez arroser, donner un petit peu de roleplay au jeu, c'est pas mal du tout. Bon, encore une fois, c'est un mode pour PC. Dans la description, le modeur explique bien que le jeu, enfin le mode n'est pas encore tout à fait au point. Donc il y aura des petites retouches à faire dessus. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne pas mal. Donc avec un système comme ça, donc ouais, ça prend quand même assez large. Maintenant, si vous avez des gros champs, vous pouvez en placer plusieurs. Donc, vous voyez, ouais, on verra peut-être un peu mieux là à quoi ça ressemble. Alors, la mise en route est un peu longue. À mon avis, ça ne se fait pas automatique. Quand vous appuyez sur le bouton, ça déclenche direct. Il faut attendre un peu. Mais ça a l'air sympa. Et ça va quand même loin, quoi. Donc, du bord où je suis, quand même, voilà, jusqu'ici, quoi. Donc, ça fait quand même un bon périmètre. Ça, ouais, c'est pas mal du tout. Après, c'est large, ça c'est large aussi. Bon, là, je suis pas sur la route. J'en avais mis 2-3 tout à l'heure, mais bon, côte à côte, ça faisait un peu n'importe quoi dans le champ. Mais ça, c'est sympa, je trouve. Ouais, ça ajoute un peu de la game, enfin, plus de roleplay déjà dans les parties. Bon, le terrain, il n'est pas plat, encore une fois, il le dit, hein, faut vraiment mettre ça sur des terrains plats. Parce que là, vous voyez les poteaux, là, les petits piquets, ils sont pas dans le sol. Bon, ça c'est expliqué dans la description du mode. Donc voilà, ça va être corrigé plus tard. Mais bon, pour le moment, ben, il a sorti comme ça le jeu, enfin le mode. Donc à voir plus tard hein, quand ça sera corrigé. Mais c'est assez sympa, franchement. Je trouve ça pas dégueulasse du tout. Donc encore une fois, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous venez ici. Donc là, il me propose de l'éteindre. Donc je fais rond. Voilà, normalement, ça devrait s'éteindre, mais ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si ça se fait automatique ou pas. Parce que je pensais qu'il y avait des heures, mais non, je pense pas. Donc ici, c'est voilà, pour le remettre en route. Vous appuyez sur Start, ici. Mais bon, là, je viens de le couper. En bonne logique, ça devrait se couper. Vitesse standard. Ouais, non, non, c'est bon là. Là, il n'est pas trop mal, hein. Off, on. Donc là, le trigger a disparu. Ici, je réactive. Je le remets sur start ici. Voilà, action power. On, ok. Et si je fais ça maintenant, il y a peut-être plusieurs possibilités. Je découvre le mode en même temps que vous, hein, comme ça, vous voyez. Donc action ici, ok. Et alors, si je refais ça, bon, je vous dis encore une fois. Il n'est pas tout à fait au point, mais ça ne saurait tarder à ce qu'il le soit. En tous les cas, c'est assez sympa. Ça fait un peu, ça fait vraiment pas mal. On va prendre un peu d'hauteur. On va voir un peu ce que ça raconte vu d'en haut là. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc les jets vont être corrigés et puis plaçables au sol aussi parce que bon, il vous faut un terrain vraiment tout plat. Comme je vous disais ici, vous voyez, les poteaux, ils sont pas dans le sol. Mais après, c'est sympa, quoi. Enfin, voilà. C'était le petit mode du jour, les gens. Donc, il est sur Kin Mode. Si jamais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Ça me fera super plaisir. Et moi, je vous tiens au courant pour la suite des petits modes. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, c'était Marc.